Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est reparti pour une nouvelle vidéo pour un nouvel oracle de Jennifer Aquarius de la boutique Etsy. Donc Star Oracle, l'étoile, hein, l'oracle de l'étoile. Voici le dos des cartes, noir et blanc. Elles sont tous pareilles, bien évidemment. Les tranches blanches, on est sur un format de tarot. Et on a à peu près dans la soixantaine de cartes, 70 cartes. Et je vais vous faire un petit peu découvrir toutes les cartes de l'oracle. Donc l'oracle est en anglais, malheureusement, il n'est pas édité en français, mais c'est pas grave. Après, c'est un petit travail à faire avant les tirages pour connaître les significations des cartes. Une fois qu'on les connaît, ça ira. Ou vous pouvez vous faire des petits mots-clés, les noter sur les cartes, bien évidemment. Ici, par exemple, on a Mending Hurt, Learn to Love Again. Apprendre à aimer encore, à réouvrir son cœur ici avec cette carte-là. Joyful Happiness. Donc là, c'est la joie, le bonheur. Vous avez les choses arrivent. Je pense que les bonnes choses arrivent ici. Je voudrais retraduire ça. On vous offre ici de l'amour avec cette carte-là. On a les manipulations, contrôle. Là, je ne sais pas vous traduire. Vous avez la nostalgie, les amours du passé ici avec cette carte-là. Les fondations, les structures. Le temps est essentiel peut-être. Gérer son temps ici. Les messages, les illusions. On regarde un peu dans le passé encore avec cette carte-là. Là, il faut agir. Faut faire des actions. On a la carte curiosité de l'inconnu ici. D'excitement. Je sais pas si ça se dit excitement en anglais. En français, peut-être excité. Je sais pas si ça se dit. L'honor of, détache. Donc on est détaché ici. Les mystères, les secrets, les confidences. Manifestations, les visions, les tentations ici. Donc voilà un petit peu le genre de cartes là que vous pouvez avoir dans l'oracle des étoiles. On offre la gratitude. Les actions sont de nuit comme de jour, hein. C'est pas que la journée qu'il faut faire ça ou que la nuit, hein. C'est de jour comme de nuit. Un beau commencement ici, on a. Donc voilà un petit peu les petites cartes de l'oracle. Donc vous pouvez retrouver tous les jeux parce qu'elle en a vraiment pas mal, hein, je crois. Elle en a avoir peut-être 25-30 sur sa boutique Etsy, Jennifer Aquarius. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et dans ma prochaine vidéo, là, je vous prépare un oracle qu'elle a fait pour Noël. Donc ça va être sympa. On a la chance. Toxique, hein, quelque chose qui est pas top top. Désagréments, partir, quitter quelque chose. On a les opportunités, les chemins croisés, les mouvements, déplacements, on achève quelque chose ici, hein, la fin de quelque chose. On a des plans. S'aimer soi-même ici, se protéger, sentir la joie d'être aimé, la patience, quand on persiste, le désaccord, les choses en grand ici, la balance, la relaxation, l'argent. Donc voilà, écoutez ces émotions, les aventures, les conflits. Nettoyez votre espace, hein, peut-être purifier les signes spirituels, la protection spirituelle. Travaillez truth, pain, peut-être avec de la souffrance ici, les inspirations, les nouvelles créations. Trouvez votre propre path, je sais pas. Cristal, donc là c'est la santé ici, peut-être par la lithothérapie,
faire les choses facilement, la fin de quelque chose, et créer son propre univers, gossip et chit-chat, je sais pas, les lois, enfin les règles, les responsabilités ici, slick and sly, je ne sais pas, donner des réponses, couper quelque chose hein, de sans voilà quoi, une fois que c'est coupé, on peut plus revenir en arrière. Love bound, là je ne sais pas. Rock bottom, je ne sais pas. Et ici je pense c'est attraper ses rêves, quoi, exaucer ses rêves, un attrape-rêve. Donc voilà un petit peu toutes les cartes de l'oracle étoile de Jennifer Aquarius. Je vous fais des gros 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 bisous. N'hésitez pas à partager la vidéo, à me mettre un petit like, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!